Raoul Christophe Mbia, je suis en train de lire un peu partout sur Facebook. Il paraît que tu sois en route pour la Côte d'Ivoire. Donc peut-être tu as eu certaines propositions en Côte d'Ivoire et que tu es en train de quitter le Cameroun. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Et même si c'est le cas, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais j'ai quelques conseils à te donner. Et je préfère te donner en public parce que ça peut aider d'autres Camerounais. Frère, je t'invite à ouvrir les yeux. Écoute bien ma vidéo. Si tu peux écouter, gars, réfléchis un peu comme nous les Bams. Quand il parle des Bams, les Bamileke. C'est un conseil, je ne sais pas, d'un grand frère dans l'entrepreneuriat que je te donne. Prends l'exemple sur nos grands frères qui ont démissionné dans d'autres chaînes comme toi. Je vais citer ici Jean-Bruno Tagne, que j'ai cité d'autres, enfin, c'était dans le même cadre. Démission, parce que le patron est en train de vouloir l'abuser. Jean-Bruno Tagne, le grand frère Alain Foucault, qui a démissionné de RFI par rapport à ses convictions. J'espère que toi-même, tu es au courant de tout ça. Frère, prends l'exemple seulement sur les deux là, pour ne pas citer d'autres. Tu avais dit un jour dans ta vidéo que quand tu étais encore dans ta chaîne là, qui t'a limogé, qui t'a licencié autant pour moi, il y a un grand frère qui t'avait aidé, appelé Steve Fa, qui t'avait ouvert les yeux en disant que crée ta page Facebook et ta chaîne YouTube, ben ça peut te rapporter. Ce grand frère là t'avait. Tu ne peux pas imaginer ce qu'il avait fait pour toi. Alors aujourd'hui, si j'ai un conseil à te donner, papa, même si on te propose quoi? Je te conseille de te concentrer. Lance-toi dans l'entrepreneuriat, mon type. Lance-toi à partir de tes. Tu es suivi, monsieur. Tu es suivi sur Facebook. Tu es suivi sur les deux plateformes YouTube. Lance-toi. C'est-à-dire que achète ton petit matériel. Même avec le téléphone. Je suis en train de faire l'enregistrement, c'est avec un téléphone. Tu me dis, cherche un petit monteur. Tu fais tes reportages comme tu fais là. Tu publies même 3, 4, 5 mêmes vidéos par semaine. Et te donne 2 ans pour avoir une chaîne de télévision. 2 ans, si tu es un vrai bosseur, si tu fais les économies pour avoir une chaîne de télévision. Si tu peux comprendre ce que j'ai envie de te dire. Parce que partout où tu pars, on te dit que non, on te sollicite, on dit viens ici, viens là-bas, machin truc. Ça va toujours finir comme c'est fini là. On va toujours te miroiter, machin. Ne pense pas qu'en quittant le Cameroun, en allant où que ce soit, c'est une victoire. Si tu peux me comprendre, si tu veux avoir la paix, être tranquille, être libre vraiment, fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Deviens ton propre patron. Deviens ton propre patron. Crée ta ligne éditoriale. Tes abonnés vont te suivre. Par rapport à ta ligne éditoriale que tu vas les proposer, tu crées tes contenus. Tu penses que les deux que j'ai cités là, le grand frère Alain Foucault là, il manque quoi? Ce qui touche sur les réseaux, sur sa chaîne YouTube seulement, c'est peut-être son salaire qui touchait peut-être à RFI, là, même peut-être fois 7. Si tu ne sais pas, tu es déjà sur le digital, tu sais ce que c'est, je t'apprends rien. Les Jipon Remy Ngono là, les Valsero là, sont sur le digital. Ils vivent de ça, non? Frère, c'était mon conseil. C'était mon conseil. Si tu te lances sur le digital, tu te mets à fond, tu crées tes contenus, gars. Tu ne vas envier personne. Et ce que tu vas gagner, aucune chaîne, je dis, et je suis sûr de ce que je dis, aucune chaîne ne peut te payer la moitié de ton salaire que tes deux plateformes-là peuvent te payer. Je dis, aucune chaîne, même je disais même au monde, aucune chaîne, même au monde, ne peut te payer le salaire que tu peux gagner si tu te donnes à fond avec le public que tu as, avec les abonnés que tu as déjà, avec tes fans-là, si tu te donnes à fond, tu travailles vraiment. Je dis bien, aucune chaîne ne peut te payer à la hauteur de ton salaire que tu peux avoir sur ces deux plateformes-là. Si tu peux me comprendre, tu t'assois. Actuellement, si.
Comme tu as dit toi-même, comme je lis partout sur Facebook, je suis en train de lire partout sur Facebook, on te fait des propositions, machin, truc, tu veux d'abord bien réfléchir. Frère, réfléchis bien. Prends le temps de bien réfléchir, ne sois pas pressé. Mais, je dis encore, chers jeunes, il n'y a pas meilleur que l'entrepreneuriat. Je vous ai dit, moi-même, je bossais pour quelqu'un, avec à cause de trop de pression, machin, j'ai dit, ok, je me lance seul. Je me suis même lancé seul sans même avoir les abonnés. Je démissionne de l'entreprise. Je ne démissionne même pas. On me chasse de l'entreprise. Je paie mon boulot. Je suis dehors en l'air comme ça. Je me lance même dans le cinéma, c'est chaud. Je cafouille. Toi, tu as la chance que, gars, on te met dehors. Pourtant, tu es déjà suivi. Tu es déjà star, mon frère. C'est-à-dire que c'est facile pour toi. C'est-à-dire que tu ne vas plus parler quelque chose à quelqu'un va venir te dire le soir que pourquoi tu as dit ça. Je te demande de ne plus jamais dire ça. Non! Tu deviens libre, type. Tu fais maintenant alors le vrai reportage. Regarde comment le grand frère Alain Foucault est suivi. Regarde depuis que Jean-Bruno Tagne a quitté, là, il s'est concentré sur sa chaîne. Il a créé sa chaîne, c'est Nanya TV. Il l'invite tout le monde. Tu peux créer une émission. Tu peux créer une émission, frère. Tu diffuses sur tes plateformes. Ça sera suivi. Tu ne vois pas les Edou Douanon glacé avec leur petite émission qui ils invitent les artistes et tout. Tu peux créer même 10 émissions. Tu diffuses sur tes plateformes. Tu utilises ta page et ta chaîne YouTube comme une chaîne de télévision en ligne. Tu fais tout. Tu peux tout faire ce que l'ex-chaîne de télé qui t'employait là faisait. Tu peux tout faire ça en ligne. Et je te dis, si tu es concentré, si tu te donnes à fond, tu fais tes économies comme j'ai dit depuis le début. Gars, 2, 3, 4, 5 ans. Tu peux avoir une chaîne, tu peux être propriétaire d'une chaîne de télévision au Cameroun. Ce n'est pas la magie. Si tu peux comprendre, frère. J'espère que d'autres Camerounais ont profité de ce que j'explique à notre frère Christophe Bia. Voilà. Il faut avoir la tête et le courage. Le reste vient seul. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photos de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite. Et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.